quelle soirée, que d'émotions, quel artiste. Ce que je disais à Slimane en sortant de sa prestation, on hurlait tous et c'est vrai qu'on a tous été très émus. On était tous en larmes parce qu'il a tellement donné. Il a donné avec son cœur tout simplement. C'était un moment qui était extrêmement fort. Je lui ai dit, où est-ce que l'on arrive? À la première, à la dixième, à la quinzième place, je resterai fière et c'est ce que je dirai toujours. Quel artiste j'ai eu la chance de travailler, avec qui j'ai pu l'accompagner à mes côtés. Vraiment, c'est, voilà, c'est un grand bonhomme. Bien sûr que c'était un Eurovision qui était complexe, mais c'est un Eurovision qui nous a fait grandir. C'est un Eurovision qui nous a permis de se rendre compte de beaucoup de choses et de se rendre compte que la musique avait vraiment du sens dans ce monde-là et qu'il va falloir s'y accrocher. Et il va falloir le dire très fort aussi. Je pense que le United by Music, il va continuer dans mon poste de directrice des divertissements et des jeux. Je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire grandir cette Eurovision parce que c'est ce qui nous sauvera, la musique. Donc plus que jamais, on va le crier haut et fort, vive la musique. Est-ce que la motivation de remporter Excuse-moi. 2025 peut-être. Alors moi j'adore ce moment parce que quatrième, c'est une place qui est absolument magnifique. On n'arrêtera jamais d'avoir envie de gagner parce qu'on continuera à faire rayonner la France, on continuera à faire résonner la musique française à l'international. On ira chercher la coupe avec Slimane, pourquoi pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui on va profiter, on va fêter ça parce que la quatrième place, les Français peuvent être fiers, vraiment fiers de Slimane.